commence de chanter, hey, dis-moi plutôt, mais il faut rentrer dans la profondeur des voix. Le chant, c'est quoi? C'est l'inspiration que Dieu donne à ses serviteurs. Le don, le talent, c'est pour l'édification de l'église. Moi, il y a des chants qui m'édifient beaucoup, comme celui-là. Nabouna Zama, complice, il y a l'idée qui n'a pas été d'abord. Donc, moi, de mon côté, je vais faire de mon mieux, en fait, que je puisse faire la part de l'homme, en fait, de la bénédiction que Dieu a promis dans la parole, tout ce qu'on partage. Je vais être calme dans mon roi. Alléluia. Je vais tout faire en fait que je ne sois pas un obstacle à ma propre bénédiction. Ma sœur, mon frère, je te prie, s'il te plaît, fais ton mien, fais ce que l'homme peut faire. Ce que tu dois faire, fais-le. En fait que tu ne sois pas un obstacle à ta propre bénédiction. Ma sœur, mon frère, ne sois pas un obstacle pour ton frère et ta sœur aussi. Alléluia. Ne sois pas un obstacle pour tes parents, pour ta famille. Ne sois pas un obstacle. Ne sois pas le sujet de trouble là où tu es. Parce que les gens qui sont là, ils sont des sujets de trouble. Je n'ai pas encore vu ce que Dieu m'a promis. Je n'ai pas encore vu ce que Dieu m'a dit. Alors, je m'accroche. Tant que je n'ai pas encore vu ce que Dieu m'a promis, je m'accrocherai toujours. Et rien ne pourra m'arrêter. Ne peut arrêter ce que Dieu a prévu accomplir dans ma vie. Aucun pouvoir de ce monde ne peut arrêter ce que Dieu a prévu accomplir dans ma vie. Maman, mouille à mon côté, tout le monde est mon côté, associé à mon côté. Aucun diable ne peut arrêter ce que Dieu va accomplir dans ma vie. Moi, il est mon le fait de ta vie se fera. Peu importe ta position, peu importe ton combat, reste fidèle à Dieu. Regarde à Dieu, tu feras le nom du Seigneur. Tu as tout accompli le même que Dieu. C'est pas pour ça, c'est pas pour ça. Parce que chacun sait qu'est-ce qu'il fait pendant la période d'attente. Bien-aimé, un conseil. Pendant que tu attends la bénédiction de Dieu, adore le Seigneur. Pendant que tu attends, tu loues le Seigneur. Pourquoi tu vas louer Dieu? Parce que ton problème, Dieu avait déjà prouvé avant que ça ne vienne. C'est pourquoi je le loue et je l'adore. Alléluia. Je loue et j'adore le Seigneur en attendant que la parole de Dieu puisse s'accomplir dans ma vie. Alléluia. Un véritable enfant de Dieu n'attend pas de voir. Alléluia. Nous sommes des croyants. Nous sommes des croyants. Nous croyons à la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit finit par s'accomplir dans ma vie. Je n'attends pas les voix d'abord pour pouvoir louer Dieu. Amen. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, les mains sur la parole de Dieu, nous allons continuer ce message de finir aujourd'hui. Ce que nous avons commencé il y a 2 semaines. Alléluia. Nous avons utilisé le message comme quoi? Comment attends-tu la réponse de Dieu? Comment attends-tu la bénédiction de Dieu? Alléluia. Quelle est ton attitude? Comment que tu attends ce que tu as demandé à Dieu? Et je dirais, vous savez, tous ceux qui sommes là, nous attendons, pardon, quelque chose de la part du Seigneur. Tous. Donc ce message, cette parole nous concerne tous. Il n'y a ni parmi nous ici qui peut dire que non. Moi, je ne suis pas concerné par les messages que moi j'attends rien de la personne. Tous nous prions. Nous tous nous prions. Alléluia. Tu as peut-être fait une prière. J'attends que Dieu puisse te répondre. Tu as fait des prières, tu as fait d'autres choses. Mais dans certaines choses, encore certaines choses encore dans ta vie, Dieu n'a pas encore répondu. Il y a encore des personnes qui viendront après pour lesquelles tu pries déjà. Tu voudrais que Dieu puisse pouvoir intervenir. Alléluia. Bien le Seigneur, nous avons dit par la grâce de Dieu, on va essayer de passer vite fait parce qu'on va clôturer et conclure. Nous avons compris que c'était un message d'un prophète, c'était une prophétie. Nous avons dit une prophétie, c'était une parole dite en avance, une parole qu'on dit en avance. Alléluia, une véritable parole, une parole vraie.
on t'annonce déjà d'avance. Quand la chose n'arrive, toi, on te le dit déjà d'avance. C'était ça, la prophétie, une prédiction sur les choses futures. Et c'est par l'inspiration divine que l'on parle de la prophétie. Donc, on va dire que le prophète, lui, il ne fait que raconter ce qu'il entend de Dieu ou ce qu'il voit de Dieu par rapport à une personne. C'était ça. Vous voyez, on a fait des prières, on a des prophétisé sur nous, et on attend toujours l'accomplissement de la prophétie. Bien, Seigneur, nous devons savoir une chose, comme nous l'avons dit tantôt, dans tout ce que Dieu fait pour les hommes, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part des hommes. Alléluia. Donc, nous devons faire très très attention. Je voudrais vraiment parler calmement aujourd'hui, afin que chacun de nous puisse retenir en ces derniers jours encore un plus par rapport à ce que vous avez déjà écouté avant. Mon frère, ma soeur, Dieu a déjà déclenché sa parole. Déjà, dès la création, quand Dieu a créé l'homme, il est béni. Alléluia. Vous savez, des fois, je suis de bénédiction et je ne viens pas répondre. Vous voyez, j'aime bien cette parole. La Bible de la Genèse. Dieu créa l'homme et la femme et les bénit. Nous sommes déjà bénis de Dieu. Nous avons dit, la parole que nous écoutons est la prophétie par excellence que nous pouvons entendre ou recevoir de qui que ce soit. Le Seigneur, pour ton problème, Dieu a déjà donné la solution. Avant que nous naissions, avant que nous venions les morts, Dieu a déjà pourvu pour que nous ne puissions manquer de rien. Dieu a déjà pourvu. Mais une chose, je veux te rappeler, mon frère, ma soeur, fais ce que toi tu dois faire. Fais un effort pour pouvoir faire la part de l'homme. Ne sois pas un obstacle à ta propre bénédiction. Alléluia. Ne sois pas un obstacle à ta propre bénédiction, mon frère, ma soeur. Mais au contraire, cherche à faciliter les choses afin que le Seigneur puisse te visiter. Vous savez, notre bien-aimé vient chanter un beau cantique. Alors, je ne peux pas être un obstacle à ma propre bénédiction. Bien Christ, tu dois faire un effort de telle sorte que tu ne sois pas un obstacle pour ta propre bénédiction. Je suis prêt à plaider la folie de moi. Pour la histoire, vous avez la taille pour moi. La boule de Zala, complice, il y a des bêtes dans ma vie encore. Est-ce que vous voulez? Des fois, le monde se change. Hé, hey, c'est mon plutôt. Il faut rentrer dans la profondeur des fois. Le chant, c'est quoi? C'est l'inspiration que Dieu donne à ses serviteurs. Les dons, les talents, c'est pour l'édification de l'église. Moi, il y a des gens qui m'édifient beaucoup, comme celui-là. Nabouna Zama, complice, il y a l'ibé qui n'a pas eu. Donc, moi, de mon côté, je vais faire mon mieux, en fait, que je puisse faire la part de l'homme, en fait, que la bénédiction que Dieu a promis dans la parole puisse être au partage. Mais ce n'est pas un obstacle pour ma propre bénédiction. Je disais, je vais être calme sur mon corps. Alléluia. Je vais tout faire en fait que je ne sois pas un obstacle à ma propre bénédiction. Ma sœur, mon frère, je te prie, s'il te plaît, fais ton mien, fais ce que l'homme peut faire. Ce que tu dois faire, fais-le. En fait que tu ne sois pas un obstacle à ta propre bénédiction. Ma sœur, mon frère, ne sois pas un obstacle pour ton frère ni ta sœur aussi. Alléluia. Ne sois pas un obstacle pour tes parents, pour ta famille. Ne sois pas un obstacle. Ne sois pas un sujet de trouble de là où tu es. Parce que les gens qui sont là, ils sont des sujets de trouble. Partout où ils vont. Alléluia. Ils sont des sujets de trouble. Non. Sois au contraire une bénédiction pour ta propre vie, pour ta maison, pour tes parents, tes frères, tes sœurs. Alléluia. Sois une bénédiction. Je ne serai pas une malédiction ou un obstacle pour ma famille.
ni moi pour mon église. Alléluia. Non, et diable ne passera pas par moi pour détruire son œuvre. Non, je ne passe pas. Je ne vais pas. Ma son là, qui est là. Ma papa, non, il va monter. Alléluia. Je ne vais pas participer. Je ne vais pas contribuer à la destruction de l'œuvre de Dieu. Alléluia. On a dit l'homme de Dieu. Il était fidèle, la fidélité. Sois fidèle à Dieu. Alléluia. Sois fidèle à ton pasteur. Alléluia. Sois fidèle à ton mari. Sois fidèle à ta femme. Sois fidèle à Dieu. Et là où tu es, c'est Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Et toute ta pensée. Là où tu exerces, alléluia, tous ceux qui sont déjà dans l'œuvre, dans les sacerdoces, tous ceux qui servent déjà, il y en a parmi vous qui viendront venir ensemble, nous puissions venir. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, fais-le de tout ton cœur et sois fidèle à ton poste. Alléluia. Et c'est Dieu là qui exauce le prière. Tes fils t'aidera. Alléluia. C'est pourquoi un conseil. Dans l'église de Dieu, ne sois pas un spectateur. Dans l'église de Dieu, ne manque pas de quoi à faire. Tu dois être artisan avec le Seigneur. Dans l'église de Dieu, tous nous sommes des serviteurs. Prends patience. Dans l'église de Dieu, tous nous sommes des serviteurs. Cherche à faire quelque chose dans l'église de Dieu. Oh mon Dieu, je vis là, Seigneur, mon Dieu. Dieu nous a sauvés pour les servir. Il a fait Israël en Égypte. Il a dit, sauvez-vous, vous êtes pour me servir. Nous sommes appelés pour servir. Et c'est avec fidélité que nous devons le faire. Nous sommes une église. Là, nous sommes une période où nous avons rébattu l'œuvre de Dieu. Et ne sommes pas un obstacle, sois fidèle. Partout où tu es, dans la décision. C'est des petites choses, alléluia, que Dieu peut diminuer. Oh, je rends grâce à Dieu. Bon Dieu, au revoir. Les Camerounais, nous sommes tous les bons temps dans sa tête. Quel est ce problème que Dieu n'a pas fait? Je dirais à Zacharie, alléluia. Pendant que Zacharie était au service, Zacharie et sa femme étaient âgées, Elisabeth. Ils étaient avancés en âge. Mais c'est pendant qu'il était en train de faire les services, puisqu'il était fidèle. C'est vrai que le Seigneur lui a pari. Alléluia! Pourquoi nous promettre l'enfant? Et c'est pas n'importe quel enfant qui est né. Mon Dieu, j'aime ça. Dans la patience, alléluia, il continue à servir Dieu dans le temple. Il continue à servir Dieu jusqu'à ce que le Seigneur est venu le visiter. Dans ce qu'il faisait pour le Seigneur, dans ce qu'il faisait dans l'église pour le Seigneur, c'est dans ça, c'est pendant qu'il faisait le service que Dieu lui a, l'ange lui a apparu et lui a parlé. Il est sa bénédiction. Mon frère, ma soeur, on est tant sœur du Dieu. T'es déjà impatiente. La patience, c'est l'homme. Le manque de fruits du Saint-Esprit. La patience, c'est le fruit du Saint-Esprit. Devons être patients. Je vous l'ai dit ici. Tout ce qui est dans l'impatience de lui, cause de ces problèmes. Devons être patients, mon Dieu. Je vais pas te donner de Saoul. Dieu pouvait affermir, alléluia, son royauté. Mais il n'a pas été patient. Oh, pourquoi tu as fait ça, Saoul? Non, je voyais que les ennemis s'approchent. C'est pourquoi j'ai offert. Non. C'était pas à lui de pouvoir faire les sacrifices. Bien, c'était pas. Je rappelle, il faut que chacun soit à sa place. Alléluia. Tel que nous sommes là, enfants de Dieu, serviteurs et servantes, si vous ne connaissez pas encore en quoi Dieu vous a appelé, faites confiance à l'homme de Dieu. Approchez-vous de l'homme de Dieu. Embêtez l'homme de Dieu. En fait, vous pouvez savoir ce que Dieu a mis en vous. En fait, vous pouvez savoir ce que vous devez faire pour le Seigneur. Je parle à l'église. Alléluia. Je parle pour l'église. Tu vas suivre encore un peu parce qu'il y a beaucoup d'absents aujourd'hui. Ne laisse pas
pas l'homme de Dieu comme ça, pour tourmenter l'homme, embêter l'homme de Dieu, n'est-ce pas qu'il est écrit, alléluia. Cherchez l'éternel Dieu, approchez-vous de Dieu, alléluia. Vous serez. Confiez-vous à ses serviteurs et vous réussirez. Bien-aimés du Seigneur, ne prenez pas les autres de Dieu comme des amis, des camarades. Non. Non. Dieu peut mettre en avant, faut parler des choses. Considère, dans la considération que tu peux recevoir de la part du Seigneur, de la part de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Restez fidèle à Dieu. Restez fidèle à ce que vous faites pour le Seigneur. Comprenez ces choses. Ils ont allé jusqu'à dire Abraham, Dieu l'avait promis avant. Mais dans l'impatience, alléluia, et sa femme, pour le pousser. Et Ismaël était venu. Et je vous ai dit, vous le savez aujourd'hui, nous sommes dans l'actualité. Juste aujourd'hui, nous sommes allés subir l'erreur que le père Abraham a commis aujourd'hui. Nous qui sommes aujourd'hui. Elle est faite, c'est vrai aujourd'hui. Mais venez la Seigneur. Dieu est bon. Dieu avait déjà prouvé dans sa parole. Et on était arrivé à l'homme, on disait. Dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde à talent, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Nous avons un Dieu puissant, glorieux. Quand il dit la chose, l'accomplissement est inévitable. Quand Dieu parle, la chose est déjà là. Il est juste une question que l'homme puisse comprendre et que l'homme puisse discerner et donner les mères lui-même, faire ce qu'il peut faire afin de pouvoir recevoir la bénédiction de Dieu. Bébé, quand il dit quelque chose, la chose existe déjà. Mon frère, ma soeur, jeune Jean, quel est ton problème? Quelle est ta situation? Bienvenue en Christ. Qu'est-ce qui te tourmente? La parole de Dieu nous dit. La prophétie nous dit. Que Dieu a déjà tout fait. Nous avons un Dieu stratégique. Dieu, avant de dire quelque chose, il le conçoit. Alléluia. Dieu ne parle pas en vain. Avant que Dieu ne parle, il conçoit la chose. Et la chose existe déjà dans le spirituel. Il m'a dit que cela puisse pouvoir se matérialiser, que cela puisse pouvoir se réaliser dans la vie actuelle. Alléluia. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui t'embête aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'embête aujourd'hui? Qu'est-ce qui te tourmente aujourd'hui? Tu attends la réponse à quoi? Il m'a dit. Il va être tourmente. Il va être bête. Il s'appelle Jéhovah Rapha. L'éternel Dieu qui nous guérit de toute maladie. Qu'est-ce qui t'embête, mon frère? La stérilité. Tu n'as pas d'enfant. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous me servirez et je vous bénirai. J'obéirai la maladie de vous. Il n'y aura pas de femme stérile, ni de femme qui avorte. Voyez. Dans la parole, avant que nous ne naissions, avant que tu ne viennes sur la terre, Dieu avait déjà prouvé pour ta situation, pour ce que tu traverses. Dieu avait déjà prouvé par rapport à cela. Qu'est-ce qui t'embête? Ta situation, un problème. Nous l'appelons Jéhovah Jireh. L'éternel Dieu qui lui pourvoit. Il travaille, il pourvoit. Alléluia. Le séjour. Il a dit, tout bien vous foulera les plantes de tes pieds. Je te les donne en posé. Alors pourquoi tu vas te promener par rapport au séjour? Fais confiance à Dieu. Reste fidèle à Dieu. Fais ce que tu peux faire. Le reste, lui le fera. Alléluia. Demain, qu'est-ce qui t'embête? Le travail.
Je sais pas qu'est-ce qui t'embête. Dieu est bon. Il est puissant. Il est glorieux. Alléluia. C'est un Dieu bon. Je vous ai dit, il doit avoir toutes choses belles en son temps. Dieu ne vient ni avant, ni en retard. Il vient au moment convenable. Alléluia. Esaïe 55, verset 10 et 11. Je vais même jusqu'au verset 3. Esaïe 55, verset 10 à 13. J'ai lu au nom du Seigneur. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Comme la pluie et la neige des cieux. Et n'y retourne pas sans avoir arrosé. Jésus. Fait grandir la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Chapitre 13, verset 13, pardon. Au lieu de l'épine s'élèvera les cyprès. Et là, au lieu de la ronce, croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Amen. Amen. La parole à toi, la parole de Dieu. Très bon. Cette parole a été dite avant que tu ne sois né, bien-aimé Seigneur. Avant que tu ne viennes dans le monde, tu avais déjà approuvé. Comme la pluie et la neige descendent du ciel, il ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur, alléluia, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu que moi j'essaie. Quand il dit une chose, l'accomplissement est inévitable. Amen. Quand il te promet une chose, toi et toi en Dieu, mais c'est celui qui a fait la chose arrivera. Alléluia. Il a dit à Abraham, Abraham, tu auras Isaac. Alléluia. Malgré la naissance d'Ismaël, Isaac ne finit pas. Cette parole s'était réalisée. Alléluia. Malgré Pharaon, malgré toute la résistance qu'il y avait, comme Dieu avait prononcé, comme Dieu avait parlé, cela a fini par se réaliser. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Il a prophétisé. Il a dit, le Messie viendra. Il a dit, le Messie viendra, alléluia. Mais écoutez, cette prophétie dont nous lisons là, d'Habacouc, il était question de Christ Jésus, des justes juges qui devaient venir. Prophétiquement parlant, il parlait de Christ Jésus, lui qui est juste, parce qu'il y avait la justice. Cette prophétie parle de Christ Jésus qui allait venir, le juste juge, alléluia, pour pouvoir donner le vrai et le bon jugement. C'était par rapport à Christ, ces paroles étaient venues. Les prophètes ont parlé, alléluia. Ils ont annoncé la venue de Christ. Mais malgré que les diables étaient là, il n'a pas empêché la naissance de Christ. Christ n'est venu pas venir. Alléluia. Christ n'est venu pas venir. Bien-aimé le Seigneur, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Ce qu'il dit, il l'a compris.
Encore plus tard, pour dire à Simon, Simon, tu ne mourras pas. Tu verras la consolation d'Israël. Alléluia. Simon s'est fatigué autant, mais alléluia. Il s'est forcé la part de l'homme. Il s'est forcé pour aller au temple, alléluia. Au temple convenable, au temple voulu par le Seigneur. Simon avait embrassé le Seigneur. Ah, mais Seigneur, maintenant tu veux des responsabilités. Allez en paix. C'est que Dieu te dit, c'est que Dieu t'a dit, c'est que Dieu t'a promis. Finira par arriver. Finira par arriver, Dieu le Seigneur. Il est personne pour qu'il y ait puissance de paix. Alléluia. Et puis, le Seigneur, nous avons à cause d'Abraham paix. Nous avons à cause d'Isaac paix. Nous avons à cause de Jacob paix. Mais nous avons à cause de la Dieu ne ment jamais. Il n'a pas menti à Abraham. Il n'a pas menti à Isaac. Il n'a pas non plus menti à Jacob. Ce n'est pas en nous aujourd'hui que Dieu va mentir. Alléluia. Amen. Hey, Yahweh. Josué, chapitre 21, verset 45. Mon Dieu. Oh, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Quel Dieu merveilleux nous servons. Quel Dieu merveilleux nous servons. Alléluia. Qui m'arrêtera de nous servir? Qui m'arrêtera de nous servir? De toutes les bonnes paroles que l'Éternel a fait dites à la maison d'Israël, aucune de ces paroles n'est restée sans effet. Tout s'accomplit. Alléluia. Zambéo Kosanani. Zambéo Wakanani. Zambéo Sudolanani. Atana eternité à l'Opa, maïo papa, n'a qu'une ma vie la casambe, et pour qui ça m'a fait. Et là, ça c'est le Dieu que nous savons. C'est lui qui a chanté. En fait, Nzambe au Wakanani, Nzambe au Osanani, Nzambe au Tikanani, Nzambe au Sundolanani. De toutes les paroles que l'Éternel a prononcées, Israël, aucune n'est restée sans effet. Toute parole s'est accomplie. Alléluia. Et l'autre ne s'allait pas, c'est la moyenne. Oh, nous en délaissons. Et là, qu'est-ce qui s'est fait ici-bas qui étonne Dieu? Qu'est-ce qui peut étonner Dieu dans ta vie? Ma sœur, mon frère, je n'ai pas encore vu ce que Dieu m'a dit. Ah, je m'accroche. Tant que je n'ai pas
fille. Maman, mouille à mon côté. Tout le monde est mon côté. La sorcière mon côté. Aucun diable. Aucun diable. Aucun diable. Ne peut arrêter. Il a dit dans sa parole, mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes les choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Oui, nous sommes des humains, nous sommes des hommes. Pour diverses raisons, nous pouvons peut-être oublier la parole. Parfois, une oppression. Vous pouvez oublier, alléluia. Mais il a dit quoi? Les Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom va vous enseigner et il va vous rappeler toutes ces choses. Des fois, il est juste une question du Saint-Esprit. En fait, vous rappelez des choses. Moi-même, quand je méditais, j'écrivais et une pensée qui est venue, une parole qui est venue, mais Seigneur, cette parole tu l'as déjà dit, mais je l'ai trouvée où, alléluia. Et j'étais là, j'ai fait confiance à l'Esprit. Je continue à prier, à méditer. Laissez-moi vous donner la parole et nous pouvons écrire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Tel que nous sommes là pour que je parle ainsi. Ce n'est pas de ma force, alléluia. C'est lui, le Saint-Esprit, qui nous assiste afin que nous puissions accomplir l'œuvre de Dieu. Afin que nous puissions accomplir ce pourquoi l'Éternel nous a appelés. Alléluia. Ma sœur, mon frère, tu as besoin du Saint-Esprit. Ma sœur, tu as besoin du Saint-Esprit. Mon frère, tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour nous que tu as envoyé le Saint-Esprit. C'est pour nous que tu l'as envoyé, Seigneur Dieu. À ce temps de tribulation, Seigneur. À ce temps de trouble. En ce temps où il y a la confusion, Seigneur. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit, Seigneur. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, c'est ma sœur de prière. C'est ma sœur de prière, Jésus.
encore dans cœur. Bien-aimé, je disais, ce message, je pouvais encore l'intituler en attendant. Alléluia. En attendant, le temps que tu entends la chose que tu as demandé à Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Que fais-tu pendant la période de l'attente, l'espace-temps? Alléluia. Moi, je me souviens encore, je fais taxi ces jours. Des fois, on va à l'aéroport pour aussi Charles de Gaulle que vous connaissez. Et on a un long moment d'attente. Alléluia. On attend, on perd entre même 7 habitants pour avoir un client. Alléluia. On a un grand espace où on se met là-bas. Et là-bas, pendant cette période d'attente, il y en a qui jouent au 4. Bonjour, t'as 4 en bon. Alléluia. Il y en a qui font le sport. Alléluia. Il y en a qui sont en train de manger. Alléluia. Il y en a qui regardent n'importe quoi. Alléluia. C'est pour qu'ils m'ont dit, pasteur. Et je voulais raconter au thé, pasteur. Nous, pasteur, on va raconter au thé. Parce que chacun sait qu'est-ce qu'il fait pendant la période d'attente. Bien-aimé, un conseil. Pendant que tu attends la direction de Dieu, adore le Seigneur. Pendant que tu attends, tu loues le Seigneur. Pourquoi tu vas louer Dieu? Parce que ton problème, Dieu avait déjà prouvé avant que ça ne vienne. C'est pourquoi je le loue et je l'adore. Alléluia. Je loue et j'adore le Seigneur en attendant que la parole de Dieu puisse s'accomplir dans ma vie. Alléluia. Un véritable enfant de Dieu n'attend pas de voir. Alléluia. Nous sommes des croyants. Nous sommes des croyants. Nous croyons à la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit finit par s'accomplir dans ma vie. Je n'attends pas de voir d'abord pour pouvoir louer Dieu ou pour adorer le Seigneur. Je n'attends pas de voir pour louer Dieu ou pour adorer le Seigneur. Non! Moi, je loue Dieu d'avance, j'adore l'avance déjà. Alléluia. Israël devant Jéricho, qu'est-ce qu'ils ont fait? Israël devant Jéricho, ils ont loué l'Éternel. Ils ont cherché par les armes, par tout ce qu'ils voulaient pour pouvoir. Non, ça n'a pas marché. Alléluia. Dieu les a dit, adorez, louez, et vous allez voir la manifestation. Un conseil, pendant que tu attends que Dieu puisse donner le mariage, en attendant la balle, le salé la zambi. En attendant la bataille, le salé la zambi. En attendant. En attendant. Oh, en attendant. Le bon est pour le nom, c'est une prière que tu fais. Oh, en attendant. Oh, en attendant. Alléluia. Acclame Dieu, on loue le Seigneur. Nous louons Dieu. Nous louons Dieu.